Salut, je m'appelle Mario. Moi, je suis un passionné, j'adore les bandes dessinées. J'adore les vieux chars, j'adore les vieilles motos, j'adore les vélos. C'est tout un écouteur. J'adore tout ce qui vient me chercher dans mes souvenirs, dans mes beaux souvenirs ou dans des choses que j'aurais aimé avoir que j'ai pas eu. Fait qu'on a juste une nouvelle vie. Puis je me suis dit, moi, je la vis à fond. Comment t'es tombé dans BD puis dans Gaston, mon mari? Hey, Gaston, là, moi, là, j'ai commencé, tu sais, comme tout le monde, hein. Tu sais, on a commencé par Tintin. Moi, j'avais un oncle, René, qui il avait tous les Tintins. Tu sais, ça m'impressionnait parce que, tu sais, je trouvais ça bizarre, moi, un docteur, il y avait des Tintins, tu sais. C'était à Outremont, là, il y avait une grande pièce, là, puis il y avait un piano à queue noire, là, puis il y avait une petite place, là, puis les Tintins étaient là, là puis là, je peux dire que fallait pas les abîmer, là, puis il fallait pas les toucher finalement. T'sais. Puis nous, ben, on avait des Tintins, là, comme pas mal toutes les familles ont eu. Là. Puis, mais tu sais, Tintin, c'est quelque chose qui se peut, là, tu sais, c'est un reporter, fait des reportages, tout un petit peu d'action, puis tu sais, il est allé sur la Lune, avec l'être humain, il est allé sur la Lune, mais tu sais, c'était tout, ça se pouvait, là, dans le fond. Mais, après ça, il y a eu des Astérix, puis quand je les relis, là, c'est pas pas toute la même affaire, là. Moi, quand j'étais petit cul, je lisais Astérix, là, tu sais, c'était une histoire, c'était une aventure, là. Mais quand tu lis ça aujourd'hui, là, puis tu comprends tous les sens des mots, puis les noms, puis tout ce qui se passe, là, hey, c'est un travail de moine, tu sais. Après le Astérix, moi, j'ai tombé dans les Schtroumpfs. Je les ai pas toutes lues parce que ça a continué, puis à un moment donné, ben là, j'ai comme décroché les Schtroumpfs, là. Mais j'ai tombé dans Gaston. Puis ça, Gaston, j'ai adoré ça. Gaston, je les ai toutes. Je les ai toutes, les Gastons, là. Ma collection est là. J'ai mes Gastons à moi, en plus, tu sais. J'ai vraiment mes premières bandes dessinées que j'ai achetées, je les ai encore, la plupart, tu sais, si je les avais dans les mains, je les ai gardées, je les ai pas jetées. Ça, c'est mon Gaston à moi, là. Et peut-être, des fois, moi, quand j'étais petit, je signais mes... Des fois, j'ai signé, là. Mon père il m'avait dit, un livre, tu signes ça, tu sais, ton livre. Un bout du crépit de même, mais ça, c'est mon livre. 73. Fait que, tu sais, j'avais comme 12 ans. T'as vu comment... J'ai fait attention, papa, pareil, hein? Puis le Gaston comme tel, tu sais, c'est un bon Gaston, tu sais, il a un bon cœur, puis il est paresseux à l'os. Il fait plein d'efforts pour pas travailler, tu sais. La différence, c'est qu'ils sont ronds. Ils sont vraiment ronds. Versus Astor, c'est carré, tu sais. Mais ça, c'est pas parce qu'ils sont neufs. Tu sais, moi, le numéro 7, là, ben, je l'ai acheté quand il est sorti. Fait que, tu sais, moi, je le sais que le 7, il a sa bonne année parce que, moi, les Gastons, je les attendais, là. 77. Tu sais, yes. Ben, je fais attention à mes affaires, là, mes livres, là. Et puis, ça gaffe au fun, puis, ça mouette là-dedans, puis son chat, puis son poisson, puis. Ça, j'ai bien gros. Ses inventions, là. Ça, j'ai bien gros aimé ça. Ça, c'est le baston. Gaston, gars, il est dans son lit avec deux femmes. Pis, hey, c'est toute une affaire. C'est tout un... C'était weird, tu sais. Ils se sont payés à la traite à Gaston là-dedans. Tu sais, j'ai un 50, j'imagine. Puis, en même temps que tout ça, il y a une bande dessinée que j'ai eue et qui m'a suivi pratiquement toute ma vie. C'est Michel Vaillant. Michel Vaillant, je les ai pas toutes.
Je les ai presque toutes, mais je les ai pas toutes. Puis j'ai les miennes, ben, j'en ai. Je pense qu'il y en avait deux ou trois. Tu sais, c'était tout le temps les mêmes. Puis, honnêtement, je pense que c'est deux mêmes. Tu sais. Puis, après ça, je me suis mis à aller chercher. Si je vais chez vous, puis je te dis, j'y veux toutes, là. Tu vas passer une commande. S'il y en a 125, tu vas m'appeler une journée, tu vas me dire Mario, amène-moi 2000, puis sont toutes là, tu sais. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Parce que mon côté de mes autres passions de collectionneur, il embarque. Là, la James Dean, la Porsche de James Dean, je veux avoir, mettons qu'il l'a sorti en 61, tel numéro, ben moi, je le veux, celle-là. Je veux celle-là, puis je veux le leu beau, là. Fait que moi, les Michel Vaillant, ça fait, je sais pas, 20, 25 ans que je suis tout le temps en train de chercher compléter ma collection. J'en ai trois encore, je les ai même pas lus. Je me dis, un jour, je vais y aller. Mais j'ai les achète. Parce que, tu sais, là, moi, là, si on fait le tour, là, j'en ai en salle là, des bandes dessinées, là, t'sais. Fait qu'il y en a que, tu sais, quand celle que tu m'as fait connaître, là, Streamliner, là, ben ça tu lis parce que il y en a juste. Il y a deux tomes. Fait que ça tu lis. Puis ça arrête là, puis tu pleures après. mais Michel Vaillant, il n'y a pas de presse, là. Tu sais, quand je serai à l'hospice, là. J'aurai un rack à côté de moi avec mes BD, puis je vais être dans ma bulle, puis je vais lire les dossiers Michel Vaillant, là. Fait que le premier, j'arrive, tu sais, puis je vois ça, là. James Dean. Michel Vaillant, qu'est-ce que c'est ça? Avec ça, là. Regarde que j'ai mis dedans. Regarde ça, là, l'accident. Tu sais. Pis ça, là, c'est une photo, là. Le dessin, là, on est juste avant ça, là. Après ça, un autre. Puis là, pendant que je te parle, je regarde, tu sais, là, Gilles Villeneuve, là, tu sais, nous autres, Gilles Villeneuve, c'est au Québec, c'est comme quelqu'un de la famille, là. Mais tu sais, quand tu lis la BD, puis tout ça, puis, tu sais, il y a plein d'informations que... On n'a pas, puis tu sais, hey, c'est super intéressant. C'est une encyclopédie, là, mais avec des dessins. Puis après ça, j'ai tombé, là, vraiment, j'ai découvert. Moi, c'est Little Kevin de Coyote. Lui, c'est drôle parce que le gars, tu sais, il y a un Harley, un vieux FLH, c'est ça que j'ai. OK. Son truck, c'est un pick-up Chevrolet 54, c'est ça que j'ai. Puis, tu sais, ses chums, puis tout ça, moi, je bois pas, puis j'ai jamais bu, là, tu sais, puis... Mais, tu sais, tout ça, les parties, puis tout ça, tu sais, ça me faisait penser, là, quand j'ai commencé à faire de la moto, puis mes chums, puis, tu sais, les épouchettes de blé d'Inde, puis les rencontres, puis le placotage, puis tout ça, puis je lisais ça, puis je disais, aïe, tu sais, il y a un gars qui me suit, puis qui fait ça. L'avance du moteur est à droite. OK, fait que le timing, là, tout le câble distributeur, là, tu le fais bouger à partir de la poignée à droite. À gauche, c'est l'accélérateur. En bas, c'est la clutch. Puis sur le réservoir, c'est les vitesses, trois vitesses. Puis la raison pourquoi que le gaz est à gauche, parce que ça, c'est des motos qui, tu sais, comme la police, l'armée. Fait que 98% des gens, ils étaient droitiers. Fait que tu donnais ton gaz à gauche, puis tu tirais de la droite. J'ai même écrit à un moment donné à Coyote, puis il me répondait. OK. Puis j'avais été sur le site, puis c'était écrit là qu'il ne répondait pas. Tu sais, c'était écrit, tu pouvais envoyer des commentaires, mais de ne pas compter à ce qu'il te réponde. Tu sais, il était pour te lire, tout ça. Fait que moi, j'y compte ça, tu sais. Il me répond. J'y réponds. Il me répond. Puis là, il me
demande que c'est que je faisais dans la vie, tu sais. Puis on s'envoyait des... Tu sais, des fois, j'écrivais, quand est-ce que tu vas te sortir un nouveau numéro bientôt, tu sais, j'aime ça au bout. Puis moi, je les attendais, tu sais. Puis là, une journée, paf, Coyote, il est mort. Puis c'est bizarre, là. Ben, c'est comme si c'était quelqu'un de ma famille qui est mort. J'étais vraiment... comment deuil? Parce que Coyote, il est mort. Little Kevin, il est mort. Tu sais, sa gang est mort. Parce que après ça, ça arrête. Ça, gars, tu vois, c'est Mammouth Piston. C'est le même gars. C'est le même gars que... C'est Coyote. Et on vient à Streamliner. Quand tu commences à lire ça, pour un gars de char, de bicycle, de vieille patente comme moi, tu peux pas accrocher, tu sais. Le premier, je l'ai lu, bang, puis le deuxième, tu sais, c'est bizarre, là. J'avais l'impression que c'était le dernier parce que tu me l'avais dit, puis ça me tentait pas de jamais le finir. Ok, tu l'étirais. Oui, puis il me s'est fait avoir, hein. T'aurais peut-être pu me le dire. Parce qu'à moitié, il arrête, puis c'est de la documentation après. Ouais. Fait que moi, là, quand je t'arrive pas à moitié, il m'en restait à moitié, mais non. Je me suis fait planter. J'étais des annonces d'époque. C'est super. C'était bien, ouais, ah, ouais, j'adorais super, ça. Super. Mais déçu. C'est un miracle, ce truc-là. C'est vraiment... Écoute, il était tellement pourri là, que le frein du truck de ici jusqu'à ici, il était tout pourri. Fait que le camion, il tenait par les marchepieds. Oh! Moi, je me promenais avec. Puis je l'avais fait réparer, puis j'essayais de l'étirer. Puis une journée, ça a arrêté. Là, tu sais, je veux dire, le camion, le monde me suivait, puis il me disait que ma boîte, elle sautait. La boîte sautait pas, le truck, il faisait la peinture. Puis la décision, c'était on le scrap ou on le garde. Moi, j'ai tout monté le truck au complet. J'ai tout refait, là, ça a pris 3-4 ans. Puis j'ai été y montrer une fois fini. C'est ma première sortie que j'ai vraiment. Tu sais, ma première ride, là, je suis parti, je suis descendu à Matane, à Sainte-Félicité avec mon truck. Là. Puis j'étais allé y montrer. Ils me connaissaient pas. Là. J'ai cogné à la porte, puis j'ai ouvert la porte. Un petit monsieur, là. Il m'a arrivé ici. Là, okay. Puis j'avais, c'est l'automne, j'avais un grand côte, tu sais, un hardback. Là. Okay. Un grand côte comme de cowboy. Oh, ouais. Je remplissais le trou de la porte. Là. Fait que là, je me suis mis en ville, tu sais, vous me connaissez pas, hein, je viens de Montréal, puis tout, puis mon père, tu sais, j'ai dit, mais je viens vous montrer quelque chose, là, puis je suis pas mal d'être content. J'ai dit, je suis pas mal sûr que vous allez être content. Là, il dit, il a aucune idée de ce que va se procéder, là. Quand il a vu le truck, là, il a sauté en bas de ça, puis il tournait à l'entour du camion, les bras des airs, puis il disait, c'est bien lui! C'est bien lui, je reconnais son virage. Son virage, le son de son moteur. Ah! Puis, là, je suis rentré dans la maison, là. Il m'en a parlé, là. Mais comme si tu me parlais de ton père. C'était un membre de la famille. Mais Joe Barr, là, c'est complètement à part. C'est pas. C'est un Joe Barr, là. Que tu vas apprendre quelque chose. À part que la vie est belle. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis que les moments, comme ça, c'est du gâteau. Tu sais, tu lis ça, là, puis ben, tu sais, tu sortiras pas plus bien au bout, mais tu vas avoir ri, puis tu vas avoir trouvé con, puis tout ça. Ça ici, là, il construit ça. Pour Nicole. C'était pour un refuge d'animaux. Ah. Puis c'était supposé d'être. Ici, c'était une place pour les chats. Je l'ai tout fait. Tout fait. J'ai donné les clés le vendredi. Puis elle est morte le dimanche. Le lundi, en fait. Là. Fait que. Je l'ai tout bâti. Elle l'a vu. Puis elle est partie. Fait que là, je savais pas quoi faire, tu sais. Fait que là, j'ai vidé le stock, tu sais, puis là,
J'ai laissé ça pas mal vide là, pendant un an et demi, deux ans. Puis quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit, bah, gars, là, on avance, là, tu sais, c'est une autre part, un autre chapitre. Puis là, j'ai dit, ça va être ici, là, la man cave, ça va être au deuxième étage, moi. Ça, là, c'était avant. En fait, c'était en même temps là, que quand on a vraiment marché sur la Lune, si on a vraiment marché sur la Lune. Mais c'était ça. Fait que ça, là, ça a pogné. Là. Et puis, tu sais, le nom m'échappe, là, mais la bande dessinée, tu m'as fait découvrir aussi là, le Québécois que ça a pris 10 ans à faire le premier tome. Là. Tous les détails à Montréal, les dessins, là, tu sais, les extraterrestres là, qui viennent, les vaisseaux, les extraterrestres. Écoute, j'allais, on va aller le chercher. Là, tu m'as montré, c'est toi qui m'as fait connaître ça, tu m'as pas de temps suivi. Aïe! Ça va pas bien, man. Non, tu sais, c'est deux tombes, il en a fait trois, en fait, là. Il est allé voir un éditeur français parce qu'il s'est fait. Ah oui, 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 c'est Grégoire Bouchard. Il revient, madame. Grégoire Bouchard, le cauchemar argenté, puis tout ça. Oh, ouais. Hey. Ouais, ça. Tous les détails. J'ai pas fini le deuxième parce que à cause de Streamliner, mais il y a tellement à regarder dans une image. Ben, t'aimes beaucoup toute l'histoire des objets. Puis là, il va à fond, là. T'as ouais. Du kick-cola, t'as non, du... Non, c'est hallucinant. Puis là, c'est ici. Ouais. Tu sais, je dis ça, là, puis je serais même pas surpris d'arriver, puis de voir une plage, tu sais, qu'on se ramasse au coin de chez Wilensky, tu sais. C'est un Elsinore MT250 Honda 1974. J'ai acheté cette moto-là il y a 8 ans. Je l'ai défaite en morceaux. Je l'ai mis dans les boîtes. J'ai acheté des morceaux. Puis, tranquillement. Qu'est-ce qui se trouvait chez Honda? Ça fait... Oh boy, ça doit faire une quinzaine d'années, douzaine, certain. Quand je suis arrivé ici, je l'ai installé, j'ai installé mon antenne. Puis... Ça, c'est un Américain. Le nom m'échappe, là. Yves Rodier, là, qui a fait le Spectro. Oui. Ça avec, j'ai trouvé ça cool. Parce que c'est ça, mes spectros sont là. Parce qu'il y a comme un lien, tu sais, il y a un gros lien fort avec les anciens Michel Vaillant. Ouais. Tu sais, les autos sont dans le même style, les couleurs, les dessins. C'est toute une autre histoire, mais il y a un petit clin d'œil là-dedans, tu sais. Puis ça avec cet accrocheur, parce que quand t'as aimé quelque chose, puis ça te ramène, ben dans ta tête, ça te ramène là aussi, tu sais. Fait que, c'est une belle thérapie. Moi, la bande dessinée, là, je te dis, là, ça m'a aidé dans ma vie. Tu sais, t'as vu le paquet de livres que j'ai plein de livres de mécanique. Tu sais, quand j'achète une voiture, quand j'achète une moto, quand j'achète whatever, tu sais, j'achète
des livres pour m'informer. Il annonce une sale tempête mercredi. Moi, là, en dedans, là, Gaou, hein? Je vais m'installer. Je vais me prendre une BD, probablement. Puis, j'ai pas besoin de sortir. Je vais m'installer. Je vais lire ça. Ça prendra le temps que ça prendra. Puis, je la lis au complet, je la lis pas au complet, c'est pas important. Mais ça va être savoureux, tu sais. Ça va être le fun parce que, tu sais, c'est. Je vais choisir une que. Tu sais, t'es dans le mood de lire ça. Puis là, ben, tu m'as poché en masse, là, dernièrement, dans une coupe, là, parce que là, j'ai comme du retard, là, tu sais, dans ma gang, là. Fait que m'en prendre une, là, puis m'en lire ça, puis ça va être vraiment une super journée, là. Moi, j'adore ces journées-là, là. Mon chum, Stéphane, il dit hey, on en scrap une, là. Ouais, on va en scraper. Ça va être le fun. It's been cold down here for the past 3 weeks, man. À Braque, ouais, pis des fois, ouais. Là, pis les gars, celui qui rira le premier recevra une tapette, puis là, l'autre, et en dernier, le pied dans l'estomac, la hache dans la tête, puis tout, tu sais, c'est démesuré.